pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il y avait du saucisson dans ma caisse. Depuis je sais pas combien de temps, ça c'était à l'ancien propriétaire. Ok, d'accord. Tu vois? Écoute, on va le foutre à la poubelle tout à l'heure. Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un épisode bruyant. On va changer la ligne d'échappement, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Ça va peut-être améliorer la sensation que j'ai à son bord. Il y a deux mécanos aujourd'hui. On va aller dans un garage où il y a un pont. Comme ça, ça va être tranquille. Ils vont faire le taf. Moi, je vais pouvoir filmer et me la couler douce, comme d'habitude. Allez, on se rejoint tout de suite là-bas. Je sais pas si on entend tel quel, mais déjà, son origine, je vous le fais écouter tout de suite. Donc voilà, on entend clairement pas du tout. Il a le droit de rouler avec ça? Un bon mouleur. Ton intérêt de prendre quelqu'un. Hein. Ouais, ça a l'air d'être de la bonne cam. Sacré tuning, Antoine. Alors, pour la petite histoire, il y a combien de temps? Il y a 2-3 ans, j'étais venu dans ce garage-là mettre la ligne de la S2000. Et là, je mets la ligne de la Z. Voilà. C'est le garage officiel pour les échappements ici. Voilà ce que je vais mettre. Je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc des short tailles en titane, regardez les sorties bleutées, voilà, hein, c'est pas beaucoup, hein, c'est pour ça que ça s'appelle des short tailles, c'est assez court, mais vous allez voir, ça va faire son taf, ça va faire même un peu trop son taf apparemment, mais bon, moi j'aime bien quand ça gueule, j'ai l'habitude. Je vais voir en dessous pour la première fois, voyons voir les dégâts. Il fait un petit check-up. Donc voilà, c'est ça qu'on va virer à partir de là. Voilà, tout ça. Donc comme je vous ai dit, hein, y a deux mécanos, moi je fais rien, je filme et ils font tout. Hein. Bon là on galère vraiment pour enlever la boulonnerie, enfin il galère vraiment pour enlever la boulonnerie. Et pour Antoine! Hop, là comme ça on voit vraiment bien la différence. Allez. Bon du coup j'ai pas racheté de joint neuf, alors on va le poser sans joint et puis plus tard je remettrai les joints. Donc je vous ferai le rendu du son avec les joints, donc voilà. Donc ça va être vite fait, hein. Juste après vous aurez le son dans la même vidéo, vous inquiétez pas. C'est bon, on a réussi à poser l'échappement, maintenant c'est le moment de l'allumer. C'est bon. Ah, c'est bon ça. Je m'attendais à pire, franchement ça va, mais je pense qu'en roulant, ça devrait bien donner. En fait, c'est... Toi, on m'a dit que ça allait être fort, mais ça va en fait. Ça ouais, fait ça un bruit stock, V6 stock quoi. Bon, voilà, fini, on a monté tout ça. Donc là j'ai fait un petit tour évidemment sans les joints, mais déjà c'est déjà beaucoup mieux. Je vais mettre les joints et je vais vous faire la différence entre stock et avec le short tie A et M. Tout de suite.
Retrouve à bord de la 370Z, donc j'espère que les comparaisons que je vous ai fait avec le petit montage, ça vous a plu et que ça vous a bien retransmis la différence entre stock et avec les short tailles. Ce que je recherchais, c'est d'avoir plus de sensations, et je dois dire c'est concluant, j'ai beaucoup plus de sensations à son bord. Alors ça fait que désormais je suis toujours manuel, palette au volant, parce que là c'est bon. Avant j'étais tout le temps en drive parce qu'on n'entendait pas le bruit, donc voilà, je m'en foutais un peu, ça changeait pas grand chose. Et là, regardez, d'ailleurs, quand je fais le rétrogradage, aïe aïe aïe, moi quand tu fais ça, t'as l'impression d'être Lamborghini, mon pote. Aïe aïe aïe, allez hop. Là, donc c'est des AAM, c'est la première version, ça veut dire sans résonateur, parce qu'entre 4000 et un peu plus de 5000 tours, en fait, on a un bruit sourd. Je vais vous faire écouter. Voilà ce bruit-là, vous l'entendez. Voilà, c'est un bruit très très sourd qui peut faire mal aux oreilles à force. Mais comme moi, c'est cette plage-là que je préfère. Donc, elle fait pas encore assez de bruit à mon goût. Je vais peut-être mettre des Decata. Bon, peut-être, c'est même sûr. Il y en a des Decata, il y en a encore pour pour pas loin de 500 €. Donc on va attendre un peu. En termes de prix, ces chantailles là neufs, ça vaut dans les 600 $. Il faut les importer des États-Unis. Moi, je les ai eu d'occasion. Donc d'ailleurs, merci Monsieur Warren. Il me les a vendus 300 €. Il m'a fait un prix. Je les ai eu 300 €. Alors ça dépanne assez bien, plutôt que d'acheter une ligne complète qui coûte plus de 1000 €. Mais l'avantage d'avoir une ligne complète, c'est que t'as un son de meilleure qualité. Et par contre, tu peux perdre sur certaines lignes, tu peux perdre de la puissance. Donc, ce qui est bien à faire, c'est de mettre des katas, ligne complète, et après, kit d'admission d'air, hein, ne pas oublier. Et après, là, tu fais une reprog, et là, tu gagnes pas mal de chevaux. Allez, tiens, on va se faire plaisir encore. Voilà, je vais mettre un Decata pour que ça fasse plus de bruit, parce que je veux me mettre en mode Brad Jack, tu vois. Bah pas à leur point, parce que... D'ailleurs, en parlant de Brad Jack, je voudrais revenir un peu sur la vidéo, sur le reportage que j'ai fait en Martinique. J'ai eu d'excellents retours, franchement, vous m'avez régalé. J'avais peur de pas dépasser les 5000 vues et de décevoir un peu les Martiniquais, etc. Mais on a explosé les scores, vous m'avez fait trop plaisir. On a pratiquement atteint les 80 000 vues. Voilà, les Martiniquais, ils ont partagé la vidéo sur WhatsApp, à Bâle. D'ailleurs, à un moment, je voyais dans mes statistiques qu'il y avait 50% des vues, c'était des Martiniquais, et partagé sur WhatsApp. Donc merci à vous d'avoir partagé la vidéo. Je suis ravi que ça vous ait plu. Désolé pour ceux que j'ai oubliés, genre les clubs de 4x4, les 106, j'ai eu beaucoup de retours sur pourquoi j'ai pas filmé les 106. Bah tout simplement parce que j'avais pas de contact sur place sur les 106, et les seules fois que j'ai croisé des 106, c'était lorsque ces mecs là faisaient des tirages vers Fort-de-France. Donc voilà, je pensais pas que vous étiez autant sur place. Donc désolé, la prochaine fois que j'y retournerai, je vous oublierai pas les gars. Mais ça sera pas maintenant, parce que j'ai eu beaucoup beaucoup beaucoup. Yes man. Voilà, putain, c'est bon ça. Donc j'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs sur viens dans ce pays-là, viens dans ce pays-là, viens dans ce pays-là. J'ai beaucoup de demandes pour la Réunion, la Guadeloupe. La Guadeloupe, j'ai déjà faite il y a 2-3 ans. Évidemment, vous n'avez pas vu la vidéo parce que je me suis chié dessus. C'était dans mes vidéos de YouTube, donc ça représente pas vraiment votre culture automobile. Donc j'ai jamais sorti, mais très beau pays. Enfin, très belle île, hein. J'y retournerai peut-être faire une vidéo, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc j'ai eu masse de demandes pour la Réunion. Vous m'avez régalé. Donc ça, c'est sûr, c'était déjà prévu. J'ai déjà les contacts sur place. Je ferai une vidéo là-bas. Ça sera pas tout de suite parce que mon prochain voyage, qui est déjà réservé pour janvier, ça va être dans un autre pays. Un projet, je vous en parle pas tout de suite parce que je suis en train de réfléchir un peu à ce que je vais faire. Ça va être très difficile parce que c'est pas en France. Ils parlent pas français. C'est une région assez grande où je veux aller. Mais si je fais le même style que la Martinique, oh putain de merde, ça va être juste énorme. Donc voilà, encore merci pour tous vos retours, beaucoup de retours constructifs d'ailleurs. Merci à vous tous. Voilà. Donc si le son de la 370Z vous plaît désormais,
lâchez un j'aime. Si vous voulez me soutenir, suivre mes aventures, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Peace. Écoutez ce son. Avec des jeunes de là-bas. En fait, on a remodifié un peu tout ça. Garage Bay. Super bien.